Salut, je m'appelle Félix Olivier Cloutier et je suis étudiant au Cégep de Thetford. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon fameux projet sur lequel j'ai travaillé pendant un petit gros bout de temps. Ouais. Mais premièrement, je dois vous expliquer quelques concepts. L'évolution. Ça, c'est quoi? Eh ben, l'évolution, c'est un processus lent qui engendre le changement d'un certain trait physique chez un individu. Le meilleur exemple pour ça, là, moi, que je vous conseille et que je vais vous présenter direct là, c'est les girafes à long cou et petit cou. Nos girafes à long cou n'ont pas toujours eu ce long cou-là, je vous l'apprends probablement pas. Au début, les girafes avaient majoritairement le cou court. À un certain moment, il s'est passé ce qu'on appelle une mutation. Une mutation, c'est une erreur aléatoire dans le code génétique qui entraîne le changement d'un certain trait chez l'individu. Dans le cas de la girafe, ben, la mutation s'est passée au niveau de la longueur de son cou. C'est-à-dire qu'il y a une girafe avec le gène d'un long cou qui a été mis au monde. Tout ça, c'est aléatoire. Eh bien, cette girafe-là avait beaucoup plus de facilité à manger des feuilles dans les arbres que les girafes à petit cou. Elle vivait donc plus longtemps et avait donc plus de chances de vivre. Elle se reproduisait donc plus. Puis pendant que celle qui avait un petit cou, eh ben, elle mourait. Malheureusement. Ça, c'est l'autre principe qui va avec l'évolution. Ça s'appelle la sélection naturelle. Dans le fond, ça se résume en quelques mots. L'individu le mieux adapté à son environnement aura toujours plus de chances de vivre et donc plus de chances de perdurer dans le temps. Et voilà. Ceux qui sont mieux adaptés vivent, ceux qui sont moins bien adaptés meurent. That's it! Mais là, je vous ai expliqué tout ça et vous vous demandez sûrement, genre, pourquoi tu m'expliques tout ça, Félix Olivier? Eh bien, j'y viens. En gros, j'ai conçu un simulateur d'évolution. Toute l'histoire que je vous ai racontée là, eh bien, mon simulateur l'a fait pour vous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment je l'ai conçu. Voici une créature. Les créatures possèdent deux traits qui peuvent muter, la vitesse et la vision. La vision est représentée par le petit cercle blanc autour d'eux. Lorsque de la nourriture se trouve à portée dans le cercle, la créature se déplace dessus immédiatement pour la manger. Ça, c'est les paramètres de notre environnement qu'on peut contrôler. On peut changer la quantité de nourriture qui se trouvera sur notre plateau à chaque génération, désactiver ou activer les mutations, et changer la fréquence de mutation en inscrivant un chiffre qui sera le dénominateur des chances que notre créature a de muter. Donc, si on inscrit 15, notre créature aura une chance sur 15 de muter. Si on inscrit 100, notre créature en a une chance sur 100 de muter. Et voilà. J'allais presque oublier. On peut aussi sélectionner quel trait, quel caractère on veut étudier, donc quel caractère va muter. On peut sélectionner si on veut seulement la vision, si on veut seulement la vitesse, ou si on veut les deux en même temps. Sur ce, je vais démarrer un scénario pour vous montrer de quoi ça a l'air. À force de se déplacer, nos créatures perdent de l'énergie. Et ceux qui vont plus vite n'en perdent plus vite, et ceux qui vont plus lentement n'en perdent moins vite. Lorsque toutes nos créatures ont plus d'énergie, le logiciel regarde tous ceux qui ont réussi à manger au-dessus de 2 de bouffe et leur permet de vivre et de se reproduire. Ceux qui ont mangé 1 de bouffe, il leur permet seulement de vivre et ceux qui en ont mangé moins que 1, eh bien, ils meurent. Voici maintenant la section des statistiques. Ici, on peut observer 3 stades différents en fonction des générations. La vitesse moyenne, le rayon de vision moyen et la population. Le graphique sur Unity est capricieux, donc j'ai donc ajouté la fonctionnalité de pouvoir exporter nos statistiques en fichier CSV pour une analyse plus profonde sur Excel.
Donc c'est tout pour mon logiciel. Effectivement, c'est très court, ça a l'air très simple, mais c'est assez complexe. Et ce qui est incroyable, justement, et ce que je voulais, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un scénario, ça va être un résultat différent que vous allez pouvoir analyser. Donc, le but, le plaisir, c'est de jouer avec et d'essayer des trucs. Mon inspiration pour ce projet-là et mon idée, en gros, va entièrement à la chaîne Primer et sa vidéo Simulating Natural Selection, qui m'a donné l'idée, en gros, de recréer ça pour que je puisse le modifier, moi, éventuellement, puis ajouter ce que je veux, comme la dérive génétique, qui va probablement s'en venir très bientôt, qui va englober différents principes de dérive génétique. Ce que je voulais, dans le fond, c'était justement voir leur simulation, qui était vraiment intéressante, puis la rendre à ma façon intéressante, puis pouvoir jouer avec, parce que leur simulation était intéressante, mais on pouvait pas jouer avec, c'est une vidéo. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant si je pouvais faire quelque chose que je pourrais avoir du plaisir avec. C'est tout. Sur ce, eh ben, on se dit à la prochaine. Je vous laisse mon email s'il y en a qui veulent me rejoindre pour avoir une copie parce qu'ils sont intéressés ou si seulement ils ont des questions à me poser. Ainsi que, oui, pour la sortie publique, parce que je vais le sortir publiquement, probablement gratuitement. Je vais donner plus d'informations plus tard, probablement sur mon Facebook ou sur une page dédiée à ça que je vais publier éventuellement. Mais je vais vous tenir au courant. Merci beaucoup et bonne journée.